Chacun sa merde, chacun sa croix, la mienne est un crayon de bois. Aveuglé par nos conneries, on ne voit pas les rayons de joie que le soleil envoie parfois, tel un messie pour libérer la frustration du quotidien que le stylo aide à digérer. Les yeux cernés par l'inaction, la main nouée par l'humeur. Les hectares de privation font les premières semences du tueur. Les lueurs d'optimisme permettent la migration de la crispation. J'ai le mental séropositif et la plume pour seul site d'action. La souffrance c'est le sésame, la passion c'est le tarif étal. Caprice, catrice, l'émotion sectarise, les pannes lyricales m'amusent. Maintenant je ricane de voir ma muse faire la mal en emportant les jerrycans. Les métaphores sont médicales, la vie une maladie chronique. L'inspiration brûle la feuille avec ou sans plaisir conique. Et c'est comique, mais je pense souvent que la vie m'offre que des Kleenex. Marre de sniff et du Tipex, ma plume et mon subutex, yo. Bon ça c'est fait, t'es mes vagues, des multi, des images qui passent du coq à l'âne. Ouais ouais c'est bon, on est dans le format. Là y'a pas de comparaison de name dropping. Oh. Ouais mais bon y'a des phases chocs. Ah. Ouais ouais ouais. Apologie de la punchline, car le punchline n'attire personne à part une pauvre bande de guignols qui pense que le rap se positionne. C'est ironique et objectif, subjectivement je vous aime beaucoup, mais je vous aimerais encore plus quand vous brûlerez tous vos sous. Tu me verras plus où c'est, tu me verras pas sur scène. Si j'ai un fils je veux l'élever, mais surtout pas qu'il me succède. Je suis quel genre d'énergumène? Un authentique enfant hip-hop, un futur doyen monoglotte ayant les bouchons de cérumène. Un ancien prépubère qui stoppa déjà le rap y'a plus de 10 ans, comprenant que la suffisance c'est tout sauf suffisant. Combien de tubes de lubrifiant m'a-t-on prescrit dans la sono? Bizarrement c'est ceux qui ne prescrivent rien qui m'ont sauto. Case et Flynn, Virus Arm, Dean Record, Swift de Gaël, Zedo, la rumeur Furax, le vrai Ben ou Arcana. J'en passe et des piliers, j'termine par rosser le club. Le rap c'est aussi bien qu'avant, s'il te plaît fouine et ferme ta gueule. Tu fais ton deuil tous les ans, dur à phréatique tout dans l'ego. Dans le public. Ah ouais c'est le point névralgique, alambiqué la technique. Mais je ne désire pas me détester en découvrant vos belles oreilles à l'ouverture de mon porte-monnaie. Sortez-les, sortez-les, toutes ces poubelles déguisées. Cliquez, fuyez, mais attendez les 5 secondes pour me les briser. Nous sommes nés avant nos pères et nous détenons la vérité. Nous exposons constamment l'objectif subjectivité. La bourgeoisie, non non non. La rue et l'électro non plus, le commercial n'est qu'un concept aux facettes maintes fois confondu. Putain, continue de kicker, un jour tu passeras un level. Le rap tu l'aimes ou tu le quittes, certains le crèvent ou le réveillent avec des freestyles. Une sauce au sperme dans le bol du nombril, ni Dieu ni maître nous disait-il. Comme s'ils n'avaient pas compris, nous ne reflétons que le monde d'aujourd'hui à travers nos chansons. Du spectacle, un public, de la technique, des moutons. Loin et le temps de la platine ne s'affirmait que sur les bagues. Les bagues ne sont plus sur ses dents comme un enfant qui perd son âme. Tous des fans de musique, mais pas de musique textuelle. Je me demande combien ont pu absorber le suicide social d'Aurel, combien sont vus dans les clichés sans pour autant changer de gestuelle. Toutes nos paroles attendent aux douanes pour pouvoir passer tes oreilles. Et c'est bien là le problème, dans la musique comme dans la vie. Combien de choses traversent l'esprit, le temps d'une traque et c'est fini. Ça te pétrifie. Mais tu verras pas plus que moi à me demander si je fais preuve de vantardise ou de mauvaise foi. Complètement paumé dans un monde que je comprenais pas le rap était un compagnon d'élévation. Qu'importe si ça pétait, voilà la bassesse de nos barèmes. La tristesse de l'évolution dans une alchimie littérale où la plume est lourde comme le plomb. Le communiste de la culotte a fait que le public et l'artiste. Tout est bon dans le cochon, les confiseurs opportunistes. Et combien rêve du fisc. La société nous a modelés, conditionnés par le marché, la réussite et la fierté. Marketing anti-major, business de la pauvreté. Dans d'innombrables activités, on peut qu'enculer sans reculer. Moi-même je sonde un nombre incalculable de culs sur la planète. Que veux-tu, le chômage reste plus facile à toucher que la retraite. Allez j'arrête de faire l'artiste, auteur, autiste, aux nuits précaires. Retourne dans le médico-social, scratcher des routines vécaires. D'art et prod, j'en passe des piliers, ouais. J'ai pas tout cité, non. Ouais bon, continue de chanter, feignasse. Enfin je dis ça, mais même avec des multiples, j'arrive à m'essouffler. Mais je fais ça avec plaisir, tu sais. Mais c'est vachement égoïste le plaisir, mais c'est fait avec plaisir. Donc ouais. Ben bon dos le plaisir. Alors je voudrais te poser une question qu'on pose toujours dans ces cas-là. La scène c'est pour bientôt? Ouais la scène ça me branche je veux dire, mais ce qui m'emmerde c'est le public.